j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et ben, comme d'habitude, je vais super bien parce qu'aujourd'hui, c'est le tableau menu semaine. Et oui, comme tous les dimanches, je propose le tableau menu semaine que vous retrouverez dans mon groupe Facebook L'équilibre avec Ange 14. Donc, je le mets vers 17h, 18h à peu près dans l'onglet fichier. Ce tableau est en couleur bleue. Voilà, je ne dis pas les points parce que nous n'avons pas le droit, mais il est en couleur bleue, donc ça vous donne une idée. De toute façon, c'est des recettes équilibrées avec WW. Et quand vous appuierez sur les recettes en question, parce que je vous mets les liens pour aller chez les blogueuses ou les blogueurs en question, et du coup, vous avez également les points parce que les blogueuses mettent les points. Donc, vous aurez juste à calculer, mais vous allez voir que je suis toujours sur pour celles qui me suivent, pour celles et ceux, parce qu'il y a aussi des hommes, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez très bien sur quel nombre de points je mets par jour, ça n'a pas changé. Donc voilà, petit indice. Sinon, vous avez petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Et en deuxième page, vous avez la liste des courses. Donc ce n'est pas merveilleux, ça, vraiment plus rien à faire. Juste, comme je dis à chaque fois, aller faire les courses. Voilà, d'ailleurs, en parlant d'aller faire les courses, je vous ai mis il y a quelque temps un retour de course chez Leclerc. Donc si vous voulez aller le voir, eh bien n'hésitez pas, je vous le mets également en i, ici, ici, je crois que c'est ici. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir parce que il y a des bons ingrédients que je vous montre également, et ça c'est top. Alors au niveau du déjeuner, nous allons commencer par des galettes de flocons d'avoine et épinards pour 4 galettes. Et là nous sommes chez Rachel Cuisine. Ensuite ce sera pizza de patates douces pour 2 personnes. Là nous sommes toujours chez Rachel Cuisine. Et en fait, tous les déjeuners sont avec Rachel Cuisine, je viens de remarquer. Je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà. Je mets à l'honneur Rachel au niveau des déjeuners. Donc, du coup, vous savez que c'est Rachel, je n'ai plus besoin de le dire. Donc, le mercredi, ça va être galette de coquillettes au jambon pour 6 galettes. Et moi, je l'ai fait, ces galettes, mais j'ai fait en cake. Et franchement, c'était super bon. Donc, ça, c'est top. Il me restait des coquillettes cuites. Et je me dis, mais avec des restes, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous l'ai mis également sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur mon Instagram, je vous le remets également ici. C'est Ange14141414. Voilà, donc vous allez ici, je vous mets plein de petites recettes également. Et puis, eh bien, on se booste aussi en story. Voilà, avec les défis, challenge, squat. Enfin, je vous en parlerai après. Continuons pour le déjeuner. Ça va être poulet coco curry léger pour 4 personnes. On rajoutera du riz avec. Et pancakes salés, saumon, concombre pour 4 pancakes, on en prendra 2. Des lasagnes légères poulet, sauce aux carottes pour 2 personnes. Et enfin, gratin poire aux pommes de terre pour 6 personnes. Voilà pour le déjeuner. Ensuite, passons à la partie collation. Carré d'avoine aux brisures de framboise. Donc, on prendra 4 carrés. Là, nous sommes chez Vanda. Ensuite, eh bien, restons chez Vanda. Et je crois que je suis... Alors, je suis presque toute la semaine sur la collation chez Vanda, à part le dimanche. Donc, c'est flan sucré à la courgette pour 8 personnes. Muffins light aux fraises des bois pour 12 muffins. Biscuits roses, fraises et rhubarbe pour 4 personnes. Flan chocolat amandé fraises pour 16 carrés. Amandine aux fraises pour 12 amandines. Et terminons sur les petites idées culinaires de Chris & Co. avec des petites tartelettes LC aux fraises. Elles sont trop jolies, les tartelettes. Merci Chris & Co. pour cette jolie photo. Et terminons par quoi? Bah oui, par le dîner. Alors, donc chez Vanda, ça va être galette de pommes de terre et carottes au thym pour 12 galettes. Chez Canisette, nous allons faire un flan de carottes, bacon, pommes de terre pour 4 parts. Passons chez Rachel Cuisine avec tortilla légère, poireaux, pommes de terre et fromage. Chez Canisette, ça va être poivron farci au bœuf et graines de couscous pour 4 personnes. Chez Rachel Cuisine, ça va être blanquette légère de poisson pour 4 personnes, on rajoutera du riz. Toujours chez Rachel Cuisine, ça va être salade thaï, saumon fumé, avocat, quinoa pour 4 personnes. Et terminons chez Vanda avec roulade poulet crudité pour 8 roulades. Et voilà, encore une super belle semaine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir. À commenter si vous avez envie de commenter. Et bien voilà, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et bien c'est le rectangle rouge, en plus on arrive bientôt sur les 10 000.
oh là 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 là, 10 000 membres en communauté comme ça dans ma communauté, c'est super, on est 10 000. D'ailleurs, donc du coup, imaginez, vous étiez quand même nombreux sur Facebook et sur Instagram à faire le challenge squat et ça, c'est super. Il s'est terminé aujourd'hui et donc du coup, je suis ravie d'avoir participé au challenge avec vous et je vous dirai exactement parce que je ferai ma pesée le lundi, donc là on est dimanche, donc je ferai le lundi pour vous dire exactement combien j'ai perdu, si j'ai perdu en centimètres, si je n'ai rien perdu du tout. Bref, je vous dirai tout, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, je vous dirai, je pense, la semaine prochaine. Donc si j'oublie, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur Facebook, je le mettrai ici. Parce que j'ai tellement de choses à penser aussi. En tout cas, c'était un super challenge, donc challenge squat. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez toujours le faire, hein. Je vais vous le mettre, vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram ou sur mon groupe Facebook. Donc sur mon groupe Facebook, ça sera dans l'onglet événements. Et sur Instagram, je vous l'ai mis dans perte de poids, je crois. Ça va être ici, squat challenge. Enfin, j'ai mis un onglet, donc vous pourrez aller voir ici. Donc vous êtes toujours, voilà, squat challenge. De toute façon, je vais faire des défis dans les mois à venir à chaque fois. Et bientôt, j'en ferai un autre, donc vous allez voir ce que c'est. Donc on va changer du squat, on va faire autre chose. Comme ça, c'est des petits challenges, des petits objectifs, mais comme ça, on peut réaliser nos grands objectifs. C'est comme ça qu'on y arrive, en faisant petit à petit, on arrive jusqu'au bout, au grand. Et c'est comme ça qu'on se sent fier de nous. Donc voilà, en tout cas moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée, une très très bonne soirée et je vous retrouve la semaine prochaine. Alors le mercredi en ce moment j'arrive à remettre les vidéos, vous avez vu, donc ça c'est top, je fais en ce moment des retours de course. Si vous n'avez pas vu le retour de course de Leclerc, eh bien je vous invite à aller voir et vous avez le retour de course WW. Donc voilà, c'est top et là je vous mets et je vais faire bientôt le batch cooking spécial dîner. Vous allez voir sur YouTube aussi également, donc ça c'est top. Vous avez plein de petites choses qui arrivent. Voilà, je vous embrasse très fort. Bonne journée, bye!